Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Inch'Allah, ils vont suivre avec l'enregistrement. Alors, nous sommes arrivés à la Mecque. Le frère Riyad, maintenant, il y a beaucoup de signes maintenant. Regardez, ça fait 2 ans, ils ont ouvert les visas. Tu n'as pas besoin, sur Internet, tu achètes une visa de Amra et tu pars. 110 euros, 110 francs et tu pars. Ça dit la Amra, c'est devenu banalisé. Avant, tu dois passer par une agence et tout. Juste après, Allah a fermé les portes. Covid. Pas d'Amra. C'est pas ceux qui vous donnent la Amra qui ouvrent la porte de la Amra. C'est moi qui gère la Amra, gère les visas et gère les autorités. Ils sont tous sous mon pouvoir. Et gère ton cœur aussi. Où est le dit? Le Qahar, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah salaf al مشيت للحج ولا مشيت للمدينة مازال طيب سيدي وصلنا لمكة on est arrivé à la Mecque le frère Rida Riyad il a dit on va voir avec l'agence sur place parce que les autorités c'est eux qui nous donnent la plage horaire d'accord Allahu a'lam moi je préfère faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 2 possibilités faire la Umrah directement. Il a dit quand on arrive à 8h, nous sommes déjà fatigués parce qu'il ne faut pas oublier, depuis le Fajr, tu vas faire préparer tes valises avec un peu de... voilà, la Umrah c'est maintenant et tout. Donc on va passer toute une journée et on arrive à 8h. Nous ne sommes pas souvent en forme. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dormi la veille de sa Umra à la Mecque. Ça, c'est ce qu'il a fait le prophète. Et moi, je le vois plus bénéfique pour nous. Mais maintenant, on ne gère rien. C'est, en fait, s'il nous impose de faire l'Umra, on va la faire. Mais je vais voir les possibilités. Alors, en arrivant à la Mecque, tu prendras, Inch'Allah, des grandes ablutions. C'est une recommandation. Bien sûr, en arrivant à la Mecque, il y a l'enceinte. L'enceinte de l'Haram. En arrivant à 8 km de Inch'Allah, à la Masjid Sayyida Aisha, Umna, radiallahu anha wa arda. Donc, on va passer, Inch'Allah, par la mosquée de Umna, notre mère Aisha. Barakallahu fi, Inch'Allah. Inch'Allah, bihaoulah, elle ne sera pas déçue. Lan nu khayiba bi idnillah. Lan nu khayiba wa nazourwa bi idnillah. Inch'Allah, on va rendre visite à notre mère Aisha et on va passer à côté de Sayyida Khadija aussi. Inch'Allah. En faisant les visites, on va passer à côté du cimetière où notre mère Khadija est enterrée avec Sayyidina Al-Qasim radiallahu anhu. Donc on va passer, Inch'Allah, à côté du cimetière où Sayyida Khadija est enterrée avec son fils, Al-Qasim, le fils de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. Bi'idnillah, par la permission de Dieu. Donc, j'ai dit, c'est Allah qui décide. Maintenant, tu viens à la Amr, à 7h. Tu vois l'Ishar al-Rabbani. C'est moi qui gère. Vous n'avez pas compris avant. Maintenant, vous comprenez très bien. C'est moi qui gère ma maison. Maintenant, tu peux entrer. Vous, les groupes, vous entrez maintenant. Vous, après. On voit le pouvoir d'Allah. Sultat Allah wa qudrat Allah azza wa jal. Wali min durus le Covid. Covid, c'est pour nous montrer. Voilà, les gens, le monde, c'est un rappel. Ni'ma, c'est une grâce. Pour rappeler les gens que Dieu existe et il est tout puissant. Hein? Alhamdulillah. Faqunna wa sanna. Donc à la Mecque, Inch'Allah, sur les frontières, il y a un doua. On va le faire ensemble dans le bus. « Ala hudud al-haram, natamanna, kama adkhalana Allah fi hadha al-haram, an yadkhalana al-jannah. Kama anna al-haram yuharrimuka, Inch'Allah, ala al-nar, nas'Allah an yuharrimana ala al-nar. » Donc Allah nous protège, Inch'Allah. Il nous a fait aujourd'hui, fait entrer dans une enceinte de paix, qu'Allah nous donnera la paix dans la vie. De là, il nous protège de l'enfer.
Mashhad Jamil, ou Rouhani Ajiba, ça c'est sur les frontières, à 8 km. En arrivant à la Mecque, Inch'Allah, tu. Allahu A'lam. Si on va à l'hôtel, Inch'Allah, le lendemain, tu prendras tes grandes ablutions. C'est surrogatoire, c'est pas obligatoire. Hein? Mais si, pour mieux faire. Et tu prendras ton petit déjeuner à 7h, Inch'Allah, vers 7h15, on part, Inch'Allah, ensemble faire la Umrah, si Allah le veut. D'accord? Mais c'est Allah qui décide. Hein? D'accord? Ça, c'est. Voilà, ça c'est pour. Bien sûr, il y a à chaque endroit des invocations, et on va les faire ensemble. Il y a les invocations sur les frontières de l'enceinte, il y a des invocations juste à côté de la mosquée, lorsque tu verras la mosquée, et on va les faire ensemble, Inch'Allah. Il y a des invocations devant la porte, il y a des invocations quand tu vois la Kaaba. Mais il ne faut pas s'inquiéter, on va les faire mot par mot en arabe et je vais, Inch'Allah, essayer de vous traduire, Inch'Allah, la signification. Après, Tawaf, voilà, deuxième pilier, Tawaf. Donc, pour Tawaf, il faut respecter le wudu. Ah, il est considéré comme une prière. Le tawaf est une prière. Donc, tu prends, bien sûr, tu es en état de pureté majeure. Ensuite, tu dois être en état de pureté mineure. Donc, les petites ablutions. Mais, alhamdoulilah, il y a une facilité. Il y a des ulama, alhamdoulilah, c'est une grâce d'Allah Azzawajal. Hein? On va aller faire l'Umrah ensemble, Tawaf ensemble. Je vais vous expliquer, Inch'Allah. On va répéter ensemble toutes les invocations. Comme ça, vos cœurs resteront présents durant tout le Tawaf, Inch'Allah. Ensemble, toutes les invocations. Wa ad'iya jamil ajid. À chaque endroit, devant la porte de la Mecque, il y a un dua. Rukn l'Irak, il y a un dua. Rukn al-Sham dua, Rukn al-Yaman dua. Vous n'êtes pas obligé, mais ça aide beaucoup, Inch'Allah. Et il y a un dua aussi spécial pour la gouttière. Un mizeb, le dua, ou hekala. Jamil jiddan, ou kulwa adi'a nabawiya. Et c'est des dua du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, les sept tournées, Inch'Allah. Mais avant, tu dois faire. Une fois, tu as perdu les petites ablutions. Hein? Au quatrième tournée, tu as perdu les ablutions. Tu fais quoi? Tu fais tes ablutions, tu continues. Alors, il y a deux avis. Mais il y a une permission. Et moi, je vous encourage à prendre cette permission. C'est de continuer, il n'y a pas de souci. Même sans ablutions. Vu que tu as fait au début les ablutions. Madame, que tu as dit le bidet, ou en qadda le wudu, ou en ta fille majmoua, تأخذ بالرخصة قال بها علماء وتواصل إذا أردت غير ذلك أنت حر tu es libre si tu veux suivre un autre avis. Alors en arrivant à la Mecque, les hommes doivent découvrir leur épaule. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lié à une histoire. À l'époque, les Qurayshites, ils ont dit « Ah, les musulmans sont affaiblis par une maladie à Médine. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Montrez vos épaules pour dire que vous êtes en bonne forme. » Donc, on a gardé cette sunna jusqu'à maintenant. Hein? Les trois tournées, pour les hommes uniquement, عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة قريش قالت أضعفتهم أو أنهكتهم حمى المدينة فقال النبي أظهروا لهم منكم قوة فهذا هو هذه أصل السنة. On commence par quel endroit? Par la pierre noire. La pierre noire est dans le hadith, est la main droite d'Allah Azza wa Jalla sur cette terre. Ça veut dire quoi ici?
Si tu salues la pierre noire directement ou de loin, c'est quand tu as salué Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire quoi saluer Allah? C'est une honorification. Ça n'a rien à voir avec une main physique. Donc c'est juste pour Safaha wa Ra'is al-Jumhuri. C'est le président de la République qui l'a salué. C'est juste pour Inch'Allah. Ta'zim. Yani sharrafak Allah Azza wa Jalla. Allah t'a élevé, t'a choisi pour. Hein, t'as honoré. Hein. Après, on va passer par la porte de la Kaaba. Ensuite, le coin irakien. D'accord, la gouttière. Le coin syrien. Le coin yéménite. Et le retour vers. Il y a des invocations. Inch'Allah, il ne faut pas s'inquiéter. On va les faire ensemble. Mais ils ne sont pas obligatoires. Hein? Donc, tu peux faire le tawaf sans rien dire. Tu tournes comme ça. Mais ça, c'est l'islam. Ça, c'est l'islam. L'iman, c'est vivre, pleurer. L'ihsan, c'est encore plus. C'est comme si tu vois Allah Azza wa Jalla en faisant le tawaf. L'ihsan, ka'anna kata, yana al-ka'ba, nahtilkum hikay. Je vais vous raconter une histoire. Alors, la Kaaba, c'est le symbole apparent dans le monde visible qui représente la présence divine dans le monde invisible. هي مثال ظاهر للحضرة الربوبية في عالم الشهادة للدلالة على الحضرة الربوبية في عالم الغيب. Alors tu me dis ça c'est le symbole de la présence de Dieu. Oui. Il y avait une sœur qui s'appelle Faustina. Elle est décédée. Qu'Allah lui donne, inshallah, la miséricorde. Avec tous nos défunts, inshallah. Alors j'étais à côté d'elle et avec un groupe. Et on était sur Safa, le mont de Safa, en faisant le tawaf. J'étais à côté d'elle, avec le groupe. J'ai vu la Kaaba. Pour la première fois, je l'ai vue de cette manière. Elle était tout d'abord brillante, grandiose, et il y avait des travaux, j'ai rien entendu. C'est comme s'il n'y a que la Kaaba sur cette terre. J'ai dit, Faustina, t'as vu? Mais la Kaaba, elle est comment la Kaaba? Elle m'a dit oui. Moi, je la vois aussi. De cette manière. Et la Kaaba était en train d'avancer vers nous. J'ai dit, mais t'as vu, elle avance vers nous? Elle a dit oui. Ça, j'ai jamais vu la Kaaba avant ou après cet événement de cette manière. La première fois faite. ترجمة بالعربية ما فيش داعي بزود لا تتخذ لا قلنا فكنت مع الأخت هذه توفاها الله عز وجل إن شاء الله نحسبها شهيدة توفيت مرض السرطان ربي يرحمها إن شاء الله فرأينا الكعبة كانت مضيئة وعظيمة كبيرة جدا وفيها أشغال ما سمعت شيء كأن ما يوجد إلا الكعبة ثم بدأت تتقدم ولكن في هيئة ملكية l'état c'est un état royal ta haja كانه ملك جايك. Voilà, j'ai gardé ça, cette image, dans mon cœur. Juste quelques heures avant son départ, pendant l'agonie, fi sakarat kunt hadha li wallahi qat atrah as-su'al la atrah as-su'al qult la Faustina tatadhakkari al-Kaaba qalt li la ansaha. قلت لها لماذا ما الذي رأيت فيها؟ قالت لي سألت سؤال. قلت لها ما هو السؤال؟ من الذي يعرف الحكاية لا يجيب، والذي لا يعرف ما هو السؤال الذي سألته؟ donc en français. Pendant son agonie, j'ai parlé avec la sœur Faustina. J'ai dit ma sœur Faustina, je voulais lui remonter le moral, Kaaba et tout. Je lui ai dit, tu te rappelles de l'histoire de la Kaaba qui a avancé vers nous et tout? Elle m'a dit, oui, je n'ai jamais oublié. J'ai dit, quelles sont les circonstances de cette histoire? Elle m'a dit, j'ai posé une question. Donc, elle a reçu une réponse. C'est quoi la question et c'est quoi la réponse? Ça, c'est une réalité, c'est vécu ça. Ce n'est pas d'un rêve, hein. Donc nous avons la Kaaba qui
vient vers nous, qui avance vers nous. Ma sœur, mashallah, une sœur pure, une sœur ange. قالت له هل تحبني Elle a posé une question à Allah. Il lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Elle a reçu la réponse. Il est venu vers elle. فلذلك البعض ربي إن شاء الله يسترنا لا يرى الكعبة. يجي الكعبة. Il y a des gens qui vont là-bas, mais ils ne voient pas la Kaaba. Il est où la Kaaba? Il est là, je ne la vois pas. Hijab, voile. Il y a des gens qui me disent, ah, elle est petite. Mais elle est petite, sghira. Au moment de dire, elle est géante. Ce n'est pas comme dans la télé. La même personne, l'imam, il augmente, la foi augmente et diminue. Fait le Kaaba, il y a un mythel. Voir, fi alam shahada, le hadar rububiya, fi alam al ghaib. Comme un esdimam al Kaaba. Il y a des gens qui vivent toujours avec le Kaaba. Quand tu fermes les yeux, ils voient le Kaaba. Donc, en réalité, ça, c'est un symbole. Alhamdulillah, c'est un bon signe. المهم اخواني الاعزاء الكعبه هذه فيها ايات يا دي سيني كونسيرنون الكعبه هذه من الايات التي وي il faut pas s'arrêter on marche on marche Lorsqu'on aura fini justement les cérémonies de Kaaba, pour faire la prière côté de aux alentours de Maqam Ibrahim, en groupe, on fait tous ensemble, on s'attend. Voilà. À l'intérieur, comment on... On va faire ensemble, Inch'Allah, avant, hein, nous faisons ensemble, en groupe. Donc pour préparer le pli suivant. Salut, Qrib al-Ma'oura al-Maqam, derrière la station de Sayyidina Ibrahim. Inch'Allah, je vais vous parler de ça. Ensemble. Les sœurs ensemble, les frères ensemble, d'accord? Et on va boire l'eau de Zamzam ensemble, inshallah, faire le doigt ensemble. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da. Inshallah, on va voir ça. Alors, ensuite, il y a un endroit, je vais, une fois tu as fini le tawaf, théoriquement, tu dois aller vers le Multazim. Le Multazim. C'est un endroit, au moins comme ça, vous transmettez à vos enfants, Inch'Allah, cette information. Même si c'est difficile d'aller toucher cet endroit, mais c'est un endroit sacré. Le doua, les invocations sont acceptées à cet endroit. Les hommes, vous pouvez, Inch'Allah, les hommes, vous pouvez sans faire du mal aux autres. Cet endroit, vous allez voir un policier. Un policier à côté de la pierre noire. Et vous voyez la Kaaba, la porte de la Kaaba. Entre le bord, le premier bord, qui est le plus proche de la pierre noire, et le policier, cet endroit, c'est 1,50 m environ, ça s'appelle le Multazim. On va voir comment faire là-bas et comment tu penses à quoi. Ça, le Multazim, ça veut dire quoi? Tu fais comme ça. Et pour surtout, tu fais comme ça. Tu t'accroches à Allah Azza wa Jal, comme si tu veux lui dire « Je veux rester accroché à toi jusqu'à ce que tu me pardonnes. » Alors, tu as dit que le talib ou le qawah de gni, je te fais huwaj, il dit « Je vais te faire donner les flous. » Imaginez un pauvre qui trouve un homme riche, il s'accroche à ses habits, il va dire « Non, je ne te laisse pas, tu dois me donner. » C'est presque ça. Teltazim, hatta ya'fu anek. Un bébé avec sa maman. Et il pleure, donne-moi le biberon. C'est presque, c'est comme ça. C'est très joli. Et cet endroit, là, il y avait un grand pieu avec ses serviteurs, il était content.
Il a dit, laissez-moi maintenant parler avec mon Seigneur. Il a commencé à pleurer et à parler de ses péchés. Laissez-moi avec mon Seigneur. C'est un endroit très, très, très beau. Voilà, on a fini. Ensuite, on va ensemble, Inch'Allah, juste derrière la station scène. Et on va faire deux unités. C'est une sunna chez les mêmes chefs et c'est une obligation. C'est très, très important. On va la faire, bi'idhnillah. Deux unités. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Ensemble, il ne faut pas s'inquiéter. Pour l'ordre, essaye de retenir. Mais ce n'est pas grave si tu ne retiens pas. D'accord ? On va faire deux unités, Inch'Allah, ensemble, à cet endroit. Ensuite, on va juste derrière. On va passer par, comme un tunnel, comme ça, sous un pont. C'est le pont de Safa al-Marwa. Et là, on va boire l'eau de Zamzam. Et le dua est accepté. Allez, je dua d'aimer le mustajab fi mawada kafi. Hatta la tashuk. An Allah lam yakbal dua. Pourquoi le dua est accepté à plusieurs endroits? Pour ne pas avoir de doute que Allah n'a pas, n'a pas exaucé ta demande. قول كان ما خطفتليش في الطواف تخطف لي في زمزم ما خطفتليش كان ما خطفتليش في الطواف ان شاء الله الصلاه وهكذا يا حتى تطمئن pour vraiment avoir la sérénité que tu pardonnes ان شاء الله وقالوا من اعظم الذنوب يوم عرفه ان يظن ان الله لم يغفر له parmi les grands péchés de Arafah par exemple ça et c'est de penser que Dieu ne t'a pas pardonné. Ça c'est un grand péché, donc il faut garder espoir parce que Dieu est généreux et sa grâce est immense. D'accord? Voilà, on a fini, alhamdoulilah, tawaf, on a fini les deux rak'at, on a fait le. Maintenant, on passe au troisième pilier, à savoir Safa wal Marwa. Il y a des doigts, on va les faire ensemble, Inch'Allah. D'accord? Alors, on va commencer par le mont de As-Safa. As-Safa est le mont de la pureté, il s'appelle. Al-Marwa, on peut dire c'est le mot de l'arrosage. Tsafi ou t'abbi. Donc tu purifies ton cœur et tu l'emplis par la lumière. قالوا كذلك هي عبارة على رمز كان قدمت المطلب في الطواف وتستنى ماشي جاي ماشي جاي ماشي جاي تنتظر القبول. Tu as déposé la demande en faisant le tawaf. Après tu restes devant le château du roi en attendant inshallah qu'il t'accepte de dire ton dossier est ta grille. Ou قالوا هي رمز لكفة الحسنات والسيئات. Faut imaginer aussi la balance, le plateau des bonnes œuvres, les plateaux des mauvaises œuvres. وان تقول إن شاء الله بحول ربي انظر لي بعين الرحمة ويقبلني إن شاء الله. وبتبع الحال يا بكو دوت خسيني لا يا لا استوار دو سيدة هاجر. Bien, قصة سيدنا سيدة هاجر في ذلك المكان سأنا إن شاء الله نذكركم بكل هذا المهم سبعة أشواط سبعة أشواط يعني اللي صفاء مروة غتوخ مروة الصفاء سيت فوا داكور اون فوا سي اللي دو فوا لي غتوخ تخوا فوا اللي كاتريام فوا لي غتوخ سانكيام فوا اللي سيزيام فوا لي غتوخ septième fois l'aller. On finit par al marwa. Est-ce que c'est clair? C'est facile. Combien? Mètres. 350 mètres la distance. C'est pas beaucoup. Et là, inshallah, nous avons l'habitude de faire les doigts de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, dans ce livre, inshallah, c'est pour ça que j'essaye Inch'Allah, soit de vous mettre sur le groupe des photos. أعطيكم صلاة صورة من الأدعية. هكذا إن شاء الله نؤمن مع بعض ومع الجماعة دائما الطاعات تصير خفيفة ويسيرة. Donc en groupe toujours c'est plus facile. Voilà concernant le sa'i. Le quatrième pilier, c'est raser le crâne ou coiffer les cheveux.
يعني الرجال يقطعون شوية يعني في الأحسن سامبل من باب النظافة واحد يذهب إلى الحلاق تيفاشي أن كوافور سا كوت ريان إي تي كوب إن شاء الله تي شفو تي غاز سا ديبون الله عز وجل أ ريزيرفي تخوا ميزيريكورد بور سو كي غاز لو كران إي إين ميزيريكورد بور سو كي كي كواف لي شفو أيا سيدي سؤال أون كيستيون ونختم بهذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله ما هي رمزية الحلق لو سامبول دو كوبي لي شفو نوفيل نيسونس كي بو ديفلوبي سيت كيستيون يعني هي ولادة جديدة من يستطيع أن يعمق الإجابة يعني يعطي شيء اللي هو أغلى عليه هو الشعر الجمال التخلص من الكبر والهيلمان وكذا لأنه جمال الإنسان المرأة والرجل كله في شعره المرأة اللي عندها الحجاب والرجل اللي عنده شعر يفتخر به شوية واللي ما عندوش ربي كفاه الكبرياء ولا المهم كيفاش إذا صح Et oui, c'est une, inchallah, nouvelle vie. C'est comme si c'est, j'enlève tous les péchés. Par chaque cheveu, tu recevras une récompense. Ajr kabir. Dakru mas'alat al-hajj. Al-hajj, al-halq ou al-nahr. Il y a deux choses. Comme ça, vous comprenez plus. Il y a raser le crâne pendant le hajj et donner un sacrifice. Comme pilier, comme obligation. ماذا فعلت وفعلت لابنك في اليوم السابع؟ Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour tes enfants le septième jour de sa naissance? العقيق الحلق والأضحية. أنت مولود جديد. Tu es un nouveau né. نختم بهذا إن شاء الله وحجة إن شاء الله وعمرة مقبولة إن شاء الله فضلك كان عندكم أشياء في ضمن الكورونا هل نستطيع نعمل الطواف يعني مرات ومرات ولا نعم الطواف مفتوح مفتوح نعم إذا منعنا مثال من الـ من الـ من العمرة ولا أظن بحول الله يفتحون بحول الله سنؤدي على الأقل 5 عمرات بإذن الله إن شاء الله ما عنديش معلومات مؤكد جهزوا ليست بالأسماء جهز كل ما تجهز على هذا طرح سؤال في الأول اسمعني جهز أنت اللي تحب عليه والله هو أحكم الحاكمين le juge c'est Allah moi je prépare je me prépare المهم on va faire tawaf ensemble chaque matin s'il n'y a pas d'omra mais il y aura inshallah d'omra تفضلوا تفضلوا اتمنى فقط كاين عندكم اسئله ونخت تفضل 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 فتحي وبعد خونا الاسم الكريم ذاك احمد احمد ان شاء الله تفضل في ملاحظه مهمه جدا تصير كثير مرات الالتزام بالمواعيد لما يكون عندنا خروج مجموعه وديلا باص مثلا مكه المدينه ومن جده المدينه التزام جدا جدا بالمواعيد مشكله كبيره مش Alors deux choses, deux choses, on doit respecter les rendez-vous, ça c'est clair, et en même temps patienter, au sabr. Parce que Bliss va travailler quand même là-bas. Tu dis rien. Une fois, on est resté 2 heures dans le bus, comme ça. En attendant un frère ou bien en attendant la permission, je ne sais pas. Et malheureux, attention, Rudbek, Osbor, mon koto comme Osbro ala, écoute là où Shafi'an. Il faut penser à l'intercession de Sayyidina Muhammad. Les genres d'épreuves ne sont pas des épreuves ici. Comme par exemple, retard de 2 heures, 3 heures, 6 heures, des fois, c'est même plus. Ou bien tu as avant, moi. Tu arrives à l'hôtel, il n'y a pas de réservation. Tu passes
tu passes une journée dans le parking avec tes valises. On est dans un autre hôtel. Hein? On est allé dans un autre hôtel. Oh, bon. Oui, oui, ça. Il n'a pas trop de sens, c'est la liste. Hein? Enfin, en retour depuis. En 2017. T'as oublié le passeport. Tu te rappelles, t'as oublié le passeport. Et j'ai oublié ma carte d'identité. Et je suis revenu et c'était un peu serré. Alhamdulillah. Ni Allah, que facile. Des fois, une fois, à midi, à l'Azizia, il y avait deux ascenseurs. Et nous étions, mashallah, 150 personnes avec les valises. Comment on va faire? Tu fais quoi là, dans ce cas-là? Tu laisses les valises dans l'hôtel et tu descends le haram. Il n'y a rien qui se perd là-bas. Mais il dit, Walaché, jamais tu attends. Parce que si tu es patient, tu vas t'énerver. Laisse les valises et va le haram. Tu es venu pour l'hôtel ou bien pour la Mecque? Chez le Mecque. Pourquoi tu vas le haram? Tant que tu mets les valises, tu vas le chambre, tu vas les clés, tu vas coucher. Ils vont te donner la clé, ils vont te mettre les valises devant ta chambre. D'accord? Faut pas s'inquiéter pour tout ça. La patience est très importante. Bardo, il y a un ma'a al-jama'a fi rahma fi fitna bardo. Les ya'nal al-shakhs lazim ya'nal yash'ur wa yarfa' mas'uliyya. Ana law ma rafa'tu mas'uliyyati wa mas'uli wa mas'uliyyati jama'a lan aqdar ya'nal ahtar aw lan aqdar bardo asbar li'annaha 'indi ya'nal irada an أنا أعمل حاجات يعني كثيرة لوحدي، ولكن لو رفعت أو لو شعرت المسؤولية مع الجماعة كل يعني هذه الجماعة أي واحد يعني لو رفع لو شعر مسؤولية نقدر نصبر مع بعض وبرضو كمان نعمل إن شاء الله بالسلامة نمشي بالسلامة ونرجع بالسلامة يعني الأعمال الصالحة كلها إن شاء الله برضو كمان يعني على كل حال هذه يعني حوادث c'est des quelques accidents des fois mais 99% tout se passe bien inshallah. Faut pas avoir peur, faut pas penser à ces choses négatives, c'est rare et en plus maintenant sont bien organisés, il y a pas beaucoup de monde, c'est vrai pendant cette période les pèlerins de l'Europe, de l'Occident descendent souvent mais ça sera pas comme avant. Donc il n'y aura pas beaucoup de monde, inshallah, bihaoulillah. Il n'y a jamais beaucoup de monde. Parce que la maison est vaste. Bait Rabbi wasa. Il qu'on lui dit, le haram mumtala. Il m'a dit, l'enceinte est pleine. Vas-y, mets le pied, inshallah, tu vas trouver ta place. Rabbi Karim, Allah est généreux. Barakallah fikum, ma'al karam illah, nakhtam inshallah. Fadl, samahni, Ahmed, samahni. Alors, bien. Jusqu'à le lendemain, on doit rester avec ça ou bien comment ça avance? Allah yiftah alik. Barakallah fik. Une bonne question. Alors, c'est simple, pendant l'ihram, tu ne dois pas chasser les animaux. La saïd, tu ne dois pas casser les branches. Donc, tout est comme si toutes les créatures vont faire le pèlerinage avec toi. Il dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith « Ahrama laka sha'ari wa dami wa shahmi wa lahmi » يعني كل ذرة في الكون وقت ذاك لبس الإحرام معك. Tu ne dois pas faire du mal à un pèlerin. فالكون كله محرم. Tout l'univers, lorsque tu dis l'Ihram, il faut imaginer l'univers à côté de toi avec les habits de l'Ihram. Est-ce que tu peux faire du mal à un pèlerin? C'est haram. Hein? Donc la même chose. Hein, tu dois respecter la nature. Tu dois tout d'abord respecter la dignité de tes frères et soeurs. Wa qabl dhalik tahtarim karamat al-nas li ma'aka bi tabi'at al-hal. Wa antum fi al-mustawa bi idhnillah. Juste un petit rappel. Tu ne dois pas agir. Hein? Parce que tu es une source de paix. Inta masdar al-salam ou le ramz al-libas dalala. Le symbole c'est le hein kima al-jaysh ramz al-qital, l'armée a une forme
pour dire, voilà, je suis en guerre. Et toi, ton uniforme veut dire que tu es en paix et tu dégages, Inch'Allah, cette paix. Inch'Allah, bihaoulillah. Voilà. Oui, pas de parfum, Cheikh. Ah oui, pas de parfum, tu ne mets pas de parfum. Mais si quelqu'un t'a mis du parfum, ce n'est pas la fin du monde. Ah, c'est par erreur, d'accord. Tu ne coupes pas les ongles parce que tu appartiens à Allah, Azza wa Jal. D'accord. Et aussi, tu te compares à une personne décédée. Et la personne décédée n'a pas la force pour couper les cheveux. Ça, c'est ton linceul. Donc, tu dois vivre une simulation de ce voyage futur. Donc, il ne faut pas couper les ongles. On va parler de tout ça plus tard. Et il ne faut pas couper raser le crâne ou couper une partie. Et il ne faut pas, pendant cette période, barakallahu fik, les marier, pas de relations intimes pendant la nuit, par exemple. Bien sûr, ça c'est clair. Tu appartiens à la vie de l'au-delà. Tous les habits, même les habits qui te rappellent la dunya, tu dois t'en séparer. Voilà. Et tu dors avec tes habits. Allah s'en est que tu te dakres le mort. Vous êtes pensé à la mort. Inch'Allah. Il ne faut pas l'enlever, bien sûr. Mais tu peux mettre quelque chose si c'est froid. Tu mets quelque chose, il ne faut pas juste couvrir la tête. وَالَّذِي يَمُوتُ بِمَلَابِسِ الْأَحْرَامِ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا. Si la personne meurt en état de sacralisation, il sera ressuscité en disant لبيك اللهم لبيك. Une fois, j'ai vu un frère, il s'appelle Wasif Ali Abdelhamid, c'est un pakistanais. On était en train de faire le tawaf, en train de faire la prière, pendant la Umrah, pas pendant le Hajj. Pas pendant le Hajj, parce que le Hajj, tu as 5 jours. Mais là, c'est 1h30. Et subhanallah, Allah a pris son âme pendant la Umrah. Il était avec les habits de l'Ihram. Son visage, très beau. La barbe, plutôt. Inch'Allah. Et une fois aussi, c'est Shrif, on était en train de faire tawaf et un frère est tombé. Pendant le tawaf. Subhanallah. Alhamdulillah. Si, subhanallah. Ya, ni'ma ma'adillah. Inch'Allah, le hayat, le haqiqi, il y a pas de mort. La vraie vie, c'est après la mort. Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran. Rida, fi ishara, fi antkom su'al. Inch'Allah, s'il y aura une autre pour la formation, ben maintenant, ça nous reste les secrets de chaque pilier. Tu penses, tu dois. Pourquoi la sacralisation? Pourquoi tawaf? Pourquoi sa'i? Et pourquoi raser le crâne ou le coiffer les cheveux? Donc, on va voir tout ça. Et les signes de l'acceptation de l'Hajj et l'Umrah. Après, on va vous parler aussi, Inch'Allah, dans la future formation, la prochaine, Inch'Allah, semaine, la semaine avant le départ, on va parler de l'éthique de celui qui rend visite à Sayyidina Muhammad. Adab Ziyarat al-Madinah. Donc, c'est une ville sacrée et habitée par Sayyidina Muhammad, ça. Donc, il y a toute une procédure spirituelle, si je peux dire, à respecter en marchant à Médine, en rendant visite à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en saluant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, inshallah, surtout à la fin de la formation, ça pour garder vraiment tout ça avant d'arriver à Médine, on doit être prêt, inshallah, prier beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et inshallah, votre hajj et votre umrah, inshallah, est agréé, inshallah. إن شاء الله ربي يرضى علينا ويتقبل منا هذا العمل الخالص أفضل العبادة ما كان عبادة لله لأنه يستحق العبادة وامتثالا لأوامره وطلبا لرضاه. La meilleure action est celle accomplie pour Allah parce qu'il mérite d'être adoré par conformité à son commandement et pour chercher son agrément.
من يطالب شيء، هو العبد يطلب من سيده ما يطلبش. الاسكلاف لي دوموند ريان ا سون ميتر، مي لو ميتر اي جينيرو، يعطيك ما غير ما تطلب. Il va te donner son que tu demandes. Comme Sayyida Maryam. Maryam, dans son oratoire, elle invoquait Allah Azza wa Jalla et elle recevait sa subsistance. Quand elle fait tout, tu dis Allah, Allah, il n'est pas le rizq. Rabbi Karim, Inch'Allah. Barakallah fikum, subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. هو عادة يقول له يجيب لنا حتى لا تلبسوه. إذا عندكم عطة اليوم تلقوه في مكتبة. إذا أخذنا 50 الشيخ مصطفى غالي بنك يكون يكون عنده هذا ما شاء الله. هو الكتاب بالعربية العربية أسرار الحاج الإمام الغزالي. لا ما عنديش، انا ما عنديش.